Les gens ont toujours été passionnés par le cinéma et par l'aviation. Et c'est clair que j'ai aussi un petit peu ma part du gâteau, c'est-à-dire que les BD d'aviation, c'est comme le cinéma d'aviation, ça intéresse à la base les gens, ils jettent un œil même s'ils ne sont pas passionnés. Top Gun a eu un tel succès, un succès fou. Bon, il y a aussi d'autres éléments, hein. Il y a Tom Cruise, il y a plein de choses, mais le mythe du pilote est vraiment toujours intact. C'est quelque chose qui est. Enfin, c'est vrai que le vol fait vraiment partie intégrante de l'imaginaire et que quand on voit les gens qui achètent parfois. Mes BD me disent, je ne suis pas forcément fan d'aviation, mais pour moi, c'est. Effectivement, ils me sortent des vieux films, ils me sortent Top Gun, ces choses comme ça. Ils sont, même s'ils ne sont pas passionnés, ça rentre quand même dans l'imaginaire collectif et les héros aéronautiques sont quand même mythiques. Hein. Par exemple, les pilotes de la Première Guerre mondiale, il y a vraiment un côté chevaleresque. C'est, même s'ils étaient en combat, les pilotes se lançaient des défis vraiment comme. Comme ils faisaient à l'époque avec des défis à l'épée. C'était rendez-vous au-dessus de telle ville à telle heure et on va voir lequel survivra. Le côté héros sans peur et sans reproche n'existe pas. Les pilotes, les témoignages de pilotes, quand ils montaient dans leur cockpit, ils avaient la peur, une peur bleue. C'était horrible. On essaie au musée de l'air de recréer l'ambiance. Moi, je voudrais qu'il y ait de la BD tout le temps. D'ailleurs, on a mis, non pas de la BD, mais du dessin sur des grands tableaux un petit peu partout. Mais parce que le dessin, c'est le seul moyen de remettre les gens ou les lecteurs ou les spectateurs dans l'ambiance du moment. On n'est pas forcé d'avoir la photo qui va bien. On ne prenait pas des photos toute la journée. Tandis que là, on met du sentiment. Et c'est pour ça que pour nous, avoir des gens comme Romain, c'est essentiel pour faire vivre un musée. C'est la différence entre une collection de papillons et puis une scénographie à travers une BD, une histoire reconstituée, qu'on peut mettre en scène au musée de l'air en tous les cas. Si le musée pouvait devenir une BD ouverte, ça serait formidable, quoi. C'est extraordinaire, c'est que on est en train de discuter, on est accoudé à l'avion qui est dans ma bande dessinée, un avion qui date de 1942. C'est vraiment, je peux tourner autour. Pour moi, au niveau de la documentation, c'est exceptionnel. Ça rend pas indifférent, c'est un peu ce que j'essaie de montrer dans les bandes dessinées. Ça rend pas indifférent ces machines. Comme dit Gérard, il y a une telle histoire. C'est des pilotes qui avaient 20 ans, qui partaient se battre pour des causes, pour se battre pour sauver le monde, pour une des histoires de liberté. Et c'est vraiment avec beaucoup de sagesse que j'essaie de faire cette bande dessinée. Je fais pas seulement, j'essaie pas de montrer des gars qui se tirent dessus, super, on y va et on s'amuse. Hein. Ça, c'est chargé en émotion derrière. Romain a raison. D'abord, cette machine, on la respire, on la touche, elle a volé avec des mecs qui étaient dedans. Mmh. Et porte le numéro 13, c'est un mec à 101 victoires, le mec qui était là-dedans. Donc, c'est la machine authentique. Si on sent un peu la ferraille, on sent un peu l'odeur de poudre. On est dedans. Et ça, c'est extraordinaire parce qu'il le rend, alors il doit le sentir sûrement quelque part, et il le rend dans la BD. Ce qui est sympa, ce qui est fascinant dans la bande dessinée, c'est qu'on a peu de moyens. Avec un crayon et un papier, on peut faire une formation de 500 forteresses, faire une bataille. C'est pas comme du cinéma où on devient vite limité par le budget. Là, avec rien, on peut vraiment créer tout. Et ça, c'est vraiment exceptionnel.